sommes là pour clôturer l'initiative de renforcement des capacités et de leadership de 25 enfants affiliés de Plan International Guinée dans la commune urbaine de Dibrikar. Pendant 10 sessions de formation, nous avons eu à former les enfants sur le leadership, la vie associative, les prises de parole en public. Et dans cette journée de ce samedi aujourd'hui, nous avons vu ces enfants pratiquer, mettre en pratique tout ce qu'on a eu à les apprendre pendant les 12 sessions de formation à travers des séances de sensibilisation. En ce qui concerne l'aspect pérennisation, ces enfants qu'on a eu à former, ces 25 enfants, désormais sont membres du club Rabi les enfants. Donc ils vont représenter le club Rabi les enfants dans la commune urbaine de Dibrikar. À entendre ces enfants parler, on voit que le projet-là a été un projet vraiment qui a porté fruit. Parce que les différentes interrogations des enfants, les différents témoignages des enfants nous rassurent que vraiment ils ont été à la hauteur. Durant les 6 mois qu'ils ont eu à faire avec le club, ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont mis en valeur le potentiel qui était caché en eux. Je prends un témoignage d'un enfant qui a dit, chers parents, il faut nous supporter. Chère institution, il faut nous porter confiance. Ça veut dire désormais, à travers cette formation, ils savent déjà qu'ils avaient des potentiels cachés. Ils sont devenus utiles. On pense qu'on est enfant, on n'est pas capable de quelque chose, sinon que manger. Alors que les enfants peuvent être des leaders, apporter quelque chose, des changements. La preuve en est qu'ils ont fait la sensibilisation ce matin. Le directeur de la maison des jeunes de Dibret a témoigné qu'il a vu les enfants qui étaient venus pour y ramasser les ordures. Ça, c'est un exemple frappant. Et à travers ça, il y a d'autres enfants qui ne faisaient pas partie des 25 qui se sont rajoutés à eux. Donc, tu vois, des changements, ça, c'est déjà un bon message qu'ils sont en train d'adresser. Et non seulement aux communautés, à leurs parents, mais aussi aux autres enfants qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. Donc, je pense que nous devons tous les soutenir, les parents, donc apporter pour soutenir leurs enfants. Comme ils l'ont si bien dit, les institutions, on doit les apporter le soutien pour qu'ils puissent développer ses potentiels. Aujourd'hui, je suis là en tant que parent de l'un des enfants qui ont bénéficié de cette formation du club Rabi et les enfants. Vraiment, les mots me manquent. Parce que ma fille qui s'est exprimée en public comme ça, même à la maison, c'était difficile. Et maintenant, je suis surprise de la voir s'exprimer en public devant tout le monde. Vraiment, les mots me manquent. Je ne ferai que remercier le club Rabi et les enfants et les encourager à œuvrer dans ce sens, à redoubler d'efforts, à maintenir ses enfants et à prendre d'autres enfants aussi pour que cette action soit pérennisée sur tout le territoire national. Pour les autres parents qui n'ont pas accepté que leurs enfants viennent participer à cette formation, ils vont le regretter. Mais ce que je pourrais leur dire, c'est de leur dire de laisser leurs enfants de bénéficier de la formation. Parce que la formation est très importante. Ce que je vis ici aujourd'hui, c'est-à-dire, je ne connais pas pour les autres enfants. Mais concernant ma fille, je suis étonnée, surprise. Donc, cette formation, cette ONG est capable de faire des miracles au niveau des enfants. Ah, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'au début, je ne savais pas rédiger une lettre. J'avais peur, je ne savais pas faire les soudés. Mais le club Rabi et les enfants, ils m'ont aidé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à rédiger une lettre. J'ai appris à faire les soudés. Et puis j'ai appris à parler un peu mieux possible. Ce que j'aimerais dire, c'est de ne pas se décourager. Parce que eux tous ont des potentiels. Rabi et les enfants, tu nous en tiens. Tu fais la promotion du droit à la participation des enfants au bout de décisions. Le club Rabi et les enfants est là pour tout le monde. Et donne la parole à tous les enfants pour qu'ils puissent défendre leurs droits. Ça m'a donné de l'assurance dans ma communication. Alors, je suis fière de ce qu'ils m'ont donné. Pour les parents d'élèves, je ne leur donne pas de se décourager. Rabi les enfants est pour tout le monde. Ils n'ont qu'à encourager leurs enfants pour venir ici. Car Rabi les enfants est pour tout le monde. Nous soutiendrons les enfants. Pour le podcast des avoirs.